permettez-moi de vous transmettre, monsieur le ministre, les salutations de votre homologue, le professeur Alisson, qui arrive demain pour vous présenter le Sénégal, qui est l'invité d'honneur de cette émission. Je disais tout à l'heure que sans cette invitation, ce festival est le nôtre. Parce que les personnes que nous voyons tout autour sont nos frères. Les cultures que nous voyons également sont les nôtres. Nous partageons le même sang. Nous avons les mêmes peuples. Nous avons les mêmes ancêtres et nous avons un destin commun. La relation entre le Sénégal et la Guinée-Bissau est entrée dans une nouvelle ère avec les présidents Macky Sall et le général Omarou Sissoko Embalo. Et les deux ministres sont dans cette dynamique. Je rappelle que le ministre Augusto Gomez était au Sénégal pour participer avec une importante délégation au Festival national des arts et de la culture qui s'est tenu à Afrique. Et au cours de son séjour en terre bissau-guinéenne, le ministre de la Culture du Sénégal va franchir une nouvelle étape dans cette coopération. Non seulement c'est la première fois que le ministre sénégalais vient assister à cet événement, mais en plus il va signer avec son homologue une série d'accords qui vont porter la coopération bilatérale à un niveau jamais atteint. La Guinée-Bissau a un potentiel énorme. Nous en sommes convaincus et nous accompagnerons la Guinée-Bissau pour que ce festival, ce carnaval devienne un événement mondial qui va attirer beaucoup de personnes et qui va générer des ressources pour le développement de ce pays. Le président Senghor disait que la culture est ce qui nous reste quand nous avons tout perdu. Donc nous devons tout faire pour conserver notre culture, mais nous devons la promouvoir. Parce qu'au rendez-vous du donner et du recevoir, chacun doit apporter quelque chose. Et nous devons y aller avec notre culture. Vive la Guinée-Bissau, vive le Sénégal, vive la culture. Je vous remercie. Obrigado, senhor.